Les enfants de Cambridge sont soigneusement préparés à leur future fonction royale en leur donnant progressivement un petit avant-goût de la vie publique, selon un expert royal. Dans une vidéo pour le site web australien 9oni, l'experte royale Victoria Arbiter a déclaré que le prince William et Kate Middleton avaient montré par l'exemple en élevant le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Madame Arbiter a déclaré que le duc et la duchesse de Cambridge souhaitaient que leurs enfants aient une éducation aussi normale que possible. Cependant, elle a ajouté qu'il devait apprécier qu'il élevait un futur roi sous la forme de prince George. Elle a déclaré, « Les enfants de Cambridge ont bénéficié de l'enregistrement de chaque étape par maman. » De même, leurs apparitions publiques officielles ont été soigneusement orchestrées. De se tenir sur le balcon du palais de Buckingham à assister à un panto au nom de travailleurs clés et à aider leur père à lancer le semi-marathon de Sandringham. Les enfants ont connu un petit avant-goût de la vie publique. Par extension, William et Kate ont su montrer l'exemple. Une méthode longtemps employée par Sa Majesté la Reine. En 2020, dans le cadre d'une campagne sur le changement climatique, George, Charlotte et Louis ont été filmés posant des questions à Sir David Attenborough. Certes, parler à huis clos peut sembler une tâche simple, mais permettre aux jeunes de maîtriser leurs compétences dans un cadre calme et facile était une décision particulièrement avisée. La confiance en leur capacité est cruciale pour leur succès à long terme. C'est particulièrement important pour Prince George, qui sera le premier monarque de Windsor du 22e siècle. Déterminés à ce que leurs enfants reçoivent une éducation aussi normale que possible, William et Kate apprécient qu'il élève un futur roi. Madame Arbiter a également discuté de la manière dont la reine et la princesse Diana ont aidé à préparer un jeune William à son futur rôle de roi. Elle a déclaré, avec sa propre formation royale en cours, le prince William traversait régulièrement le pont du château de Windsor pour le thé de l'après-midi avec sa grand-mère pendant son séjour à Eton. Là, la reine l'a familiarisé avec des boîtes remplies de papiers d'État. Le couple a discuté de questions constitutionnelles ainsi que de devoirs souverains et les bases de son rôle éventuel ont été systématiquement posées. Soucieuse qu'il reconnaisse son privilège et les responsabilités qui l'accompagnent, Diana l'a emmené dans des refuges pour sans-abri alors qu'elle lui offrait un regard sans précédent derrière les murs du palais.